Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark Monsters. On est parti. Hop. Mettre un peu de gamma pour après, je pense. Du coup, t'envoies Ryu tanker juste en face de moi. Ouais, il est juste à droite. Oui. Ouais, envoie Ryu en priorité. Ensuite, et tu envoies Xolot. En place. Et ensuite, Xolot, c'est comme tu veux en vrai. Soit tu laisses. Moi, de toute façon, je reste dessus, mais je me mets dans le bac. Ouais, bah ok, bah, tant que comme ça. Comme ça... Reste derrière, comme ça tu seras peut-être pas décelé. Attends, il est pas... je sais pas c'est quoi la touche pour siffler attaque, genre. Tu appuies sur T et tu fais attaquer massive. Il me saoule là dans mon dos, là, je peux pas le toucher. T... Mais au pire, attends, je vais m'approcher. S'il est à côté, là c'est bon, je vais le siffler. Attends, il est où le... Il est facile, je vois pas. Yggdrasil, il est juste devant toi, à droite. Ouais. J'ai sifflé un truc, mais je suis pas sûr que ce soit l'Hydrasil. À la limite, là, il va être dans une zone un peu plus. Ah, attends, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon. Ok, ça y est, go. Allez, let's go. Bon, du coup, ça va piquer un peu les yeux pour l'instant, mais au moins, j'aurais pas changé le gamma après, là, quand ça va s'assombrir. Le Ryu est plus devant, là. Il t'en plus. Si, 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 si. Il est où? Oh. Ah, si, ok. C'est juste un peu retourné. Ok, ça s'est retourné. Et ouais, c'est pour ça. Si vous êtes devant lui, attention, il peut vraiment vous déceler facilement. Défoncer l'armure direct. Ouais, si vous êtes devant lui, ouais, en plus l'armure, vous allez prendre cher. Alors, si vous êtes derrière, en fait, c'est bon. Moi qui suis tellement lent au sol que. Ouais, mais oui, il s'est retourné brutalement. En plus, c'était chaud. Ouais. Mais voilà. Oh, le Ryu, il fait les dégâts sur les Divos, c'est trop bien. Mais après, ceux qui volent, on va essayer de voler. Je suis bloqué devant. Non. Non. Pousse-toi. Pousse-toi. Je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué d'ailleurs? Il y a des Ents partout. Oh là là. Ceux qui volent, ouais, je vais essayer de rester en hauteur, ce sera peut-être plus safe. Peut-être qu'il peut pas ouais, nous déceler sur en haut. Ouais, je suis en train d'essayer les Ents là. Le problème c'est qu'il n'y a pas la touche stationnaire du coup sur les dragons, c'est un peu infâme. Pour ça, ouais, il t'étais en l'air? Ouais. Ah mince. Ah donc faut vraiment. Il y a un arbre, il m'a attrapé. Ah, un arbre. Lâche-moi l'arbre. Je savais pas qu'il allait grave. Je m'éloigne. Je suis plus mon. Ok, ils sont en train de mourir les Ents. Ouais. Moi je suis presque mort. Il reste des PV. Ils sont en tant que joueur, hein, pas le dragon. Ok, j'ai l'aggro sur tous les Ents. Si vous voulez retourner sur Yggdrasil. Je vais te chercher. Je t'ai cramé sur tous les Ents. Hein. Voilà. Ouais, nice. C'est stylé. Ok, le Ryu est encore dessus là. Oh là là, mais ça tourne pas du tout, c'est horrible. J'aimerais bien mettre derrière lui, mais. Attends, je vais l'aggro, je vais l'aggro. Ok, j'ai l'aggro, je le ramène. Le Ryu est où? J'ai pas entendu ce que quelqu'un a dit. Aucune idée, je suis parti chercher Shinata. Par contre, t'es parti où? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une base qui est juste à côté. Ah merde! J'ai sifflé normalement le Ryu. Il est parti à la base, je sais pas, il est où juste à côté. Non mais respawnez à la base. Bon, t'embête pas, je suis. Si vous respawnez à côté, vous êtes à côté justement, donc les allers-retours c'est pour la base. Ok, le Ryu est renvoyé, on va peut-être pouvoir retourner dans son dos là, j'y vais. En fait, c'est bon, go, j'arrive à le faire tourner en rond en soi. Et faut ouais, mais juste faire gaffe en fait. Ouais, mais l'animation. Justement, je veux pas qu'il tourne en rond. Ok, bon, bah y'a le Ryu, c'est parfait. S'il tourne en rond, en fait, on pourra jamais le taper. Il faut vraiment qu'il y ait le Ryu qui tanque devant parce qu'il n'y a personne dessus, que personne peut être décelé ni casser l'armure. Et nous derrière pendant ce temps là on fait full DPS là. Parce que quand on est en l'air apparemment ça marche pas, on prend quand même les dégâts donc. Enfin, on se fait décelé. Je crois qu'il y a une chier d'Imo et en fait quand je repop, quand je monte, dès que je monte sur Smoke je me fais des. Mais il y a juste Rock à passer avec son aigle. Et elle le siffle en passif. Pas bouger, je suis coincé. Mais... Ouais, j'essaie de te laisser la place. C'est un caillou qui me. Si Rock elle passe derrière avec l'aigle là, mais de haut, elle siffle en passif le dino et elle te le siffle. Et comme ça, tu peux y remonter dessus de plus loin. Non, mais j'ai réussi à remonter dessus. Ah. Et en fait, la nuée de l'imorphodon est tout le temps sur lui. Oui, et mais de dès plus loin, dessus, si vous prenez un peu de vitesse, c'est bon. Qui... Au bout de moins, il désaggro normalement. Attends, parce que là, je c'est sais pas si eux, là, il y en a plus, ils sont tous morts si jamais il y a du mort. Ouais mais ils sont bah, ils en ont encore sur eux je pense tu vois mais oui oui on en a beaucoup. J'étais pas loin. Ah
Voilà, il essaierait de toujours rester dans le dos. Par contre, j'avoue que c'est chaud parce qu'avec mon dragon, on va se bloquer. Ok, j'en ai. Aïe 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 aïe. Faut que je change d'armure, moi. Vas-y. Alors, ça, il m'a pas touché, mais je joue méga safe aussi hein, depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup trop de. Genre, j'ai beau voler avec les démons et. Juste, désolé de te couper, quelqu'un peut vérifier la vie du Ryu, genre Rock, justement, vu que t'es sur l'aigle de loin ou quoi. Ah, ça dépend si t'as les 10 mots, fais attention, on ne meurt pas, mais. Oui, non, non, je vais essayer de regarder, vite fait. Je suis en train de revenir à pied au pire. Hein, je vais le checker parce que personne le voit du coup pour le heal ou quoi, il faudra faire. Ryu. Il est devant, hein, le Brasil là. Non, il est encore bon. Ok. Check de temps en temps quand même, on se perd pas bêtement. Oui. Il y avait. En fait, il faudrait mieux quand même que tu le fasses poser quelque part, parce que là, en fait, je cours en dessous. Je sais pas, rien. Mais les démons qui sont toujours dessus. Ah, ça, c'est le truc qui décèle, du coup, c'est bien, il a fait devant, on est bien. Ok, là, par contre, attention, parce que lui, c'est l'armure par devant, encore. Rock, Orc, pardon, il y a des. Ent, tu les chopes. Ouais, si tu veux, je les crame. Ouais, volontiers. Il est dans les airs. Attends, je vais faire un tour, pas sûr. Okay. Je fais un petit tour, j'arrive, hein. C'est juste pour le manœuvrer. Vas-y. Je vais essayer d'aggrouler. J'en ai cramé plusieurs, mais pas mort. T'en as encore 3 derrière toi. Je vois rien. Ok, lui là. C'est qui oh, c'est Mino. T'es plein de démons derrière toi. Mais... Oui, je sais, mais je faisais un tour. Il y en a un qui est mort, mais c'est du coup, si c'est lui. Ok, ouais, c'est bien. Dis-moi, il meurt vite avec mon truc. N'oubliez pas de healer un peu de truc si ça va pas, normalement vous avez tous eu soin. Je sais pas si je l'ai touché à travers là, je pense que oui. Il y a Ryu qui est plus que tout sur. Je vais voir s'il fait dessus du coup. Si j'y arrive, c'est bon. Il est sifflé. Ah, mais j'ai sifflé le smoke en même temps si vous étiez pas dessus. Non, ça, je suis sur toi. Ok. Oui, c'est pour ça que le Ryu était peut-être plus aussi, c'est quand vous avez récupéré le smoke. Non, j'ai fait un sifflé follow vraiment en targetant la cible. Ouais, mais pour qu'il suive, c'est qu'il était sûrement en passif, sinon il aurait continué à attaquer, je pense. Mais en fait, je crois qu'il était en passif depuis le début. Ah, smoke. Et lui, il a pas été changé. Ok. Comment on fait avec Mino pour pas se bloquer? Déjà on sort de là! Ouais. Déjà on sort de là pour commencer. Faut qu'on arrive à se positionner chacun d'un côté, je pense. Mais ouais, il faut bouger dans ses choux. Genre chacun d'un côté de sa queue là. On en est à combien, Rock, sur le. Yggdrasil? Il reste 1400 PV. Quoi? Combien? 1 400 000. Ah, je me suis dit aussi, c'est bizarre. Oh, il reste 1400 PV, allez-y, hein. Un coup, il est mort. C'est fini. 1 400 000. Ok, et le Ryu, toujours bien. Je me suis répandu. Moi, elle est maths, ça fait 2. Voilà. À la limite, si quelqu'un a trop de dimorphement sur lui, qu'il le dise, je fais un passage en volant. Après, en vrai, les Dimo avec les armures qu'on a, si le boss nous casse pas notre armure, on tente les Dimo normalement. C'est vraiment le boss si on se retrouve devant et qu'il nous one shot l'armure. Parce qu'en fait, le boss, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il one shot l'armure par demande. Voilà, comme ça. Là, il m'a one shot mon armure. Et on se bloque en fait entre nous. C'est ça le problème. Et j'ai qu'une armure en radin, perso. Donc, le vrai problème, il est là quoi. C'est que un coup en fait, et ça y est, l'armure casse, deuxième coup, on est mort quoi. Ou les Dimo nous finissent. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester en l'air. J'ai plus de dégâts en stationnaire, hein, donc je vais voler. Ouais, ça faut arriver à soit voler au-dessus, soit être derrière lui, quoi. Mais vu qu'il fait que tourner, c'est chaud. C'est pour ça, le Ryu est vraiment là pour ça. Hein. C'est pour ça qu'on a mis personne sur lui, hein, de toute manière. Il en fallait un. Puis encore une fois, quand on est devant et qu'il nous décèle, c'est la mort assurée. Quoi. Comment j'arrive pas à mettre un stationnaire, moi, dessus. Je vais prendre de plus loin. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre une touche stationnaire quand même sur les Drake. Hein. Ça aurait été bien. Pas obligé d'arriver tout doucement.
sûr là. Ah si je le touche là. Ah non, pas sûr. Il faudrait que j'ai touché autre chose, mais pas lui, je pense. Je crois que je suis un peu haut. Il y a de nouveau des Zentors, si jamais t'arrives à gérer. Ouais, je vais aller faire ça déjà. Ah oui, il y en a un paquet en plus. Tu veux que je vienne te chercher, Terra ? Non, c'est bon. Tu es à côté. Je reste à côté. Il y aura crash. Ok, il en reste au moins déjà. Attention. J'avoue que toi en plus, ouais, tu tires de super loin avec le Escadora, donc il y a moyen que tu puisses rester au-dessus et être assez haut. C'est mon attaque qui fait le plus de dégâts, donc... Oui, oui, c'est pour ça, c'est parfait. Ce que je dis, c'est génial. J'ai loupé l'int. Pas vraiment le choix. C'est tellement un gros tas à manœuvrer là-dedans. J'arrive même pas à tourner, en fait. Ouais, il faut prendre beaucoup de distance pour tourner. Ah mais je veux pas être vu devant. Il faudrait je crois sortir Ryu de là. J'en ai que. Il y a moins de la moitié de ses PV. Ah ouais, go lui. Je suis là. J'en ai que. Oui oui. Mais en passif hein. Oui c'est fait. Ok, non mais je vais encore attaquer, c'est pour ça. Tu peux pas à côté Shinada ou. Ah, vas-y, éloigne-le et du coup vas-y, tu dois voir ce qu'il faut de temps normalement, quoi qu'il y a vu tout à l'heure. Tu dis quand ça va mieux. Du coup ton Xolot il était bien. Oui il est full, mais je l'ai remis juste avant justement. Ok. Parce que là il tank et il est en passif du coup pour l'instant. Putain de heal le... Ok, Ryu 1 million d'HP, hein. Ça va prendre un moment à régène. Ouais je sais. Mais par contre, il est en vrai... passif, j'ai... de l'autre. Oui mais tu peux pas faire... on peut pas faire les deux. Ah si t'es sur le Ryu. Vas-y je ouais pense je l'ai mis en... Ok. Mais okay, nice. Fais lui manger, tu lui fais boire une potion et tu le fais manger. Ce sera pas long parce qu'en fait c'est 30% de la vie la potion. Donc peu importe combien t'as de PV c'est aussi long. Et aussi rapide du coup. Ouais, de toute façon, je le fais full manger là. C'est pour ça, ouais. Tu lui mets une potion, tu le fais manger, une fois que c'est fini, tu remets une autre potion, tu refais pareil. Ok, le timer, c'est le cooldown qu'il y a sur la potion, c'est ça. Je vais redescendre, par contre, je sers à rien, clairement. Non, c'est pour ça, quand la potion, quand le timer, le cooldown revient, c'est que la potion est finie généralement. Normalement, après cette potion, dans 33 secondes, c'est bon. Voilà, bah nickel. Là, gentil. Vas-y, récliquer le Xolot. Attention, armure. Ouais, c'est compliqué. Moi, le stationnaire, du coup, je tire pas d'assez loin, donc c'est compliqué. De... Il faut vraiment que je sois en dessous de lui. En fait, dès que tu renvoies le Ryu, je pense que je vais essayer de repartir derrière. Ouais, le Xolot est full. Je remets le Ryu en neutre et je lui redonne d'attaquer. Vas-y, vas-y. On va attendre parce que là, il est sur le Xolot. Xolot, il fait... Ah, mais il attaque les mobs aussi. Hein. J'attends que tu envoies le Ryu, moi, du coup, parce que là il fait que tourner. Ok, c'est parti. Nice. Je prends le Xolot. Je siffle bien le truc au cas où. Et voilà, je me suis fait stun. 6 secondes. Oh là là, il vient sur moi. Aïe. Attends, du coup, le Ryu a bugué le. Attends, le Xolot a bugué le Ryu. Oh non. C'est bon. J'ai eu peur, j'ai eu la chance là. Il m'a pas attaqué heureusement. C'est le Ryu devant là qui tank. Non, alors le Ryu là normalement il tank. Je vois pas le... Ah il est là. Mais il attaque pas hein, le Ryu là. Attends le Ryu qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Ah oui il attaque des mobs à côté. Je sais pas. Il faut vraiment qu'il fasse son rôle de tanker sinon je peux pas l'attaquer. Il y a Comino qui lui fait des dégâts d'en haut du coup après. Il a 1 million de PV encore, hein. Il a plus descendu de vie depuis un moment. Dans les marées là c'est compliqué. Un petit peu ouais. Le Ryu, bon. Go passif. Ouais attends c'est ce que je vais faire parce que... Notre... Il rattaque ça là. Go tuer ce qui est sur Ryu au pire parce que... Je sais pas du tout où il est mais... C'est, ouais c'est... Pour vous c'est bon le Ryu ou pas? Ok non je l'ai. Il est ici... Ah. Ah mais ça va c'est ton Xolot en vrai qui t'en passe. Oui là j'ai remis justement le Xolot en tank, j'ai fait bouffer une potion en attendant de pouvoir récupérer. J'essaie de me mettre au-dessus en attendant, j'aurais essayé encore. Le Escadora il est où là, je le vois plus. Il revient Ryu. Quelqu'un peut le siffler. Je vais faire des passages de feu hein. Il est juste à côté mais moi je sais pas siffler. Okay, je peux le recycler, je le recycle. C'est bon il est recyclé dessus.
Attends, c'est bon, là tu l'as reciflé? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, parce qu'il est bugué dans une pierre là, c'est débile. Ok, c'est bon, les deux ils attaquent tous là. Ah oui, le Skadoré est au-dessus en fait encore. C'est quoi ce bruit? Il y a encore autre chose. Ah là c'est moi, donc là j'y suis. En vrai je peux rester comme ça, si je bouge pas là c'est bon. Non, le feu a pas pris. Ah si, t'es derrière. En vrai il a l'air pas mal bloqué, moi j'arrive à être bien stationnaire au dessus, c'est pas mal. Reconnais moi l'ascenseur s'il te plaît. Ah non, il est un peu bougé. T'es où? En tout cas Mino est parfait. À son habitude. Je suis concentré. Non mais c'est bien, ouais, tu gères hein. C'est super bien mec. Oh oh. Oh c'est... Désolé, mais je sais plus où je tire. Ah oui, pardon, c'est moi. Mais, attends, mais non, mais c'est pas grave. Non mais en vrai, j'ai mal placé de toute façon. Je te dis, moi, même si je suis plus bas que toi, je touche pas avec mon feu, c'est chiant. Donc je vais être vraiment derrière. Les gars, quelqu'un voit le Xolot? Ils sont portables. Le serpent, oui, il est devant. Ok, il tank. Ah oui, il est loin là-bas. Non, il tank pas, hein, il s'est barré. Ouais, il tank pas, il est complètement. Ouais, ouais, il est loin. Hein. Il est complètement défoncé, je vais le chercher. Il est en train de. Il a dû se battre avec autre chose en fait, je pense. Il s'est retourné, bah ouais. Ouais, j'ai vu, moi j'ai de suite fait demi-tour aussi. Ça va tellement vite. Il a une latence monstrueuse, Mok. Aussi bien pour décoller que pour marcher à pied. Ouais, non, c'est horrible. Ça va. Ah ouais, non, ça va pas. Attends, je vais essayer de m'occuper. Oui, de bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le Xolot est de retour. Le Xolot est de retour. Ah ok, ok. Ah oui, il est là. Ok, j'allais le galer sinon. Ouais, il a les trolls. Je sais pas, je pense qu'il a dû se faire regrouper un autre truc. Ryu Gogolis dans les marais. Changer. Je vais essayer d'aller changer. Mais... Il est où Ryu? Ryu, marais. Derrière. Ouais. En vrai, je ne le vois pas. En vrai, reste dessus, Ors. Reste ouais. Tranquille dessus, j'arrive. Normalement, il y a le Xolot qui est dessus, donc tu dois pouvoir DPS. Tu vas aller chercher Ryu. En fait, le Xolot, il tape tout, okay. Mais pas Yggdrasil, donc au final, il s'éloigne de lui régulièrement. Ah, c'est compliqué. Okay, hein. Les placements sont compliqués. Hein. Le Ryu, c'est non, bon. Parce que je voulais avoir lui aussi en même temps. C'est pas... Non, 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 pas ça. Oh. Petit couinement. C'est ça le problème, j'ai jamais le temps de trop le taper. En fait mon dragon limite il serait super bien d'attaquer tout seul sans moi. Parce que moi en fait je vais me faire ouvrir si je reste. Limite j'aurais l'envoyer rester plus loin mais... T'es allé lui dire bonjour Terra? Ouais, j'essaye de dresser un Xolot là. Semble, non? Pourtant je l'ai mis en me suivre, attaquer Yggdrasil, mais je crois qu'il lui fait peur. Bah, je sais pas, quand il fait le hurlement qui vous décèle, est-ce que ça peut pas avoir un effet... Non. Mais... Trop broken. Tranquille. Faites juste gaffe à la santé du Ryu. Voilà. C'est bon, normalement le Xolot là... Ah non. Ah ça le Ryu, faut juste vérifier le Ryu, attends. Ouh, il avait l'air bien, ouais. Ouais, il a 900 000 PV encore. Ouais, le Ryu. Il est bien, très bien. Tranquille. En vrai, on l'aura avec le temps. Ça, je prends plus trop de risques là depuis tout à l'heure aussi. En fait, je pense que ça aurait été plus efficace d'avoir un golem qu'on laisse en passif et que nos dinos soient en passif. On est pas loin. On les récupère. C'est pas mal, mais ça le problème c'est que moi c'est dur de me placer et une fois que je suis placé il bouge et il faut que je me replace en fait constamment. C'est compliqué à gérer je trouve. Je dis, il serait presque limite plus efficace si j'étais pas dessus en fait. C'est bien parce qu'on se bloque tous là-dedans en vrai. Ok. Parfait. Mon feu, c'est vrai qu'il touche vraiment pas si je suis pas collé. Hein.
4. Je sais pas ce qu'il fait. Il est où? Il est en dessous de toi, il bouge pas. C'est lui? Putain, je croyais que c'était un arbre, ça. Mino qui est juste au-dessus, c'est... Il est où? Ryu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, là, je touche pas au feu, alors t'as vu, je suis quand même vachement proche, hein. C'est horrible, hein. Tu vois, je suis vraiment obligé d'être posé derrière lui, quoi. Mais s'il y a personne pour tanker et qu'il se retourne sur moi, genre, ça va très vite, hein. Soulage-toi, merde. Ah, mais... Il s'est coincé, le truc. Quand je suis collé à lui, je le touche pas, vraiment. Ah, c'est... J'étais rayon en merde, pas. Il est parti où, les gars? Il est dans les marais. Là où t'as ton Xolotl, là, il est juste à côté, il y retourne dessus, t'inquiète. Ok. T'inquiète pas. Il fait mes muses. Il fait juste se sauver, lol. La grosse bébête et la peur. Je lui crame ça, ça évitera qu'il retombe dessus. J'ai réussi à siffler un Dimo en même temps, moi. Est-ce que Ryu là qui fait un peu de taf là-dessus? Ok, c'est bon. Il y a le serpent et Ryu, ils sont dessus. Enfin. Ah voilà, là j'aime voir mon feu s'afficher. J'aime mieux quand je passe derrière. Oula, je crois qu'il est à 400 000 PV, l'Yggdrasil, on est pas mal. Oh, si ça va checker les PV de Ryu et de Xolotl. Xolotl, j'aurais pu voir. Xolotl, c'est à 600 000, je crois, si j'ai bien vu Xolotl. Ouais, okay, ouais, là. 700 000, 700 000, il est bien. Et Ryu, c'est je peux Ryu. Pas voir. Ok, ok. J'arrive pas à voir. En vrai, il a 1 million d'HP et je l'ai rajeuni il y a pas longtemps, donc ça devrait le faire, quoi. Ryu a l'air bien, ouais. Hein. Okay, j'ai pas, je l'ai vu en coup de vent là, mais je pense que c'était pas mal. Du moment qu'il a plus de 50%, on est ultra là. Ouais, il y a plus que la moitié de sa vie. Oui, tranquille. Je laisse juste les arbres comme ça. Tous nos dinos, il n'y a plus personne dessus, ils s'attardent pas dessus. Ils peuvent continuer de tanker au moins. C'est nice. On est pas mal en vrai, il y a juste à finir. Je vais les laisser suivre hein, pour l'instant jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Hein. Ouais ouais, aide-moi Axolo. Tu les dis mots. Il va retourner sur l'Yggdrasil normalement. Oh, si je suis pas sûr, non. C'est à croire qu'il est pas assez gros pour être ciblé. Attends, déjà le Ryu, où est-il? Avec ton Axolot là, juste derrière. Je vois pas la flèche là sur lui. Normalement j'ai sifflé mais je vois pas la flèche. C'est eux qui sont dans le dos au final. MDR. Normalement les deux retournent dessus là. Ouais ouais. Ouais c'est bon c'est bon. Il y a des Ents. Oh là là. Il pèse bien là. Kpv le Yggdrasil. Là on est bien, on est coincé, c'est parfait. Oh, l'électricité qui est tombée en plein dessus. Ok, il va plus tarder à tomber. On continue. Récupérer la vie.
sur moi. J'essaie de les occuper, de tuer. Ok, attention, ils se retournent. On est plus très loin. Je fais un petit feu avec les arbres, moi. C'était tellement kiffant tout à l'heure quand je suis arrivé au milieu des 4 et que les 4 sont tombés, tu sais, au début là. Je vais revenir vers vous parce que je me vois plus trop là. 49 000. C'est joli ça, ça va aller très vite. 44 000. On passe dans le dos. Oh là là. Ah, ça descend. C'est bon, oui. GG. Ok, faut tuer les arbres qu'il y a autour là, tout ce qu'il y a autour. Vous avez reçu des trucs vous ou pas? Attends, non. Je vais voir dedans s'il y a un truc. Voilà. Voilà. Allez, tranquille. Laisse-moi bouger. Oh non, le xolot. Y a rien dedans. Y a rien dedans. Nul. Quelqu'un a dû recevoir un truc, hein. Les mobs, peut-être. Les dinos, peut-être, ouais. Ça, je vais regarder les mobs. Ok, je pense que je l'ai. J'en ai un. Une graine d'Yggdrasil? Oui. Immortal Seed, produced by Dead Yggdrasil, pour le réincarner. Ok, retour base, du coup, pour... Attends, j'ai 50 rayons à collecter. Retour base, du coup, pour le faire pop, là. Arrête de faire suivre Ryu, Terra, s'il te plaît. Vas-y, du coup, je vais le faire pop ici. Donc je vous dis, normalement, c'est juste un bébé qui va pop. Immortal Seed, hop. Oh, le petit minuscule. Ah, il truc. Est là. Je le trouvais pas. Ok, par contre, je sais pas ce qu'il mange. C'est quoi, mets-le à côté c'est de comme la les ah. C'est du caca. Je pense pas que ce soit pareil, de toute façon on va voir, food 2610, bon on verra, on va lui mettre un peu tout, on verra. Ça mène le à côté de la nanite. Des bébés, voilà. Oui, au pire après on peut le ramener à l'intérieur avec la nanie et tout. Et donc, il a quelques HP quand même. Et donc ouais, on sait qu'il aura déjà, attends c'est 1 million ou... Oui c'est 1 million. Ouais. Ouais c'est bien ça. Il ramène la nanie, donc il aura... sera multiplié. Ouais. Ouais, c'est juste que je voulais pas montrer l'intérieur de suite en fait, c'est pour ça que j'ai fait dehors. Mais on va vite le bouger, c'est juste pour voir à quoi il ressemble le bébé. Mais go, on va de suite le bouger au pire et ensuite on reverra une fois qu'il aura grandi. Vas-y, remets-toi à côté de moi là du coup, vraiment avec le Drake pour voir. Bah après c'est un peu en pente, mais bon. Attends, je vais mettre en vue K. C'est vrai quand t'as le Drake à côté, en vrai genre... T'aurais pas eu le Drake avant en sachant qu'il est immense, genre tu dirais que c'est un tout petit truc quoi. Attends, c'est où mon perso? C'est moi que je vois là-haut là? Ah non, il y a Milo aussi dessus. Ouais, il y a les deux en fait, ok. Ah, moi je suis celui ouais, vraiment de là, à côté dedans. De l'autre en fait. Là. Ouais. Mais écoute juste le son là quand tu marches. Alors qu'il va vite hein, quand même. Oh là là. Fou. Bon, du coup, on va tester ses attaques un peu, mon bonhomme. Bon, et par contre, il a 40 000 en stam, mais elle descend assez vite. Hein. Elle descend assez vite. Il a 1 million de PV du coup de base, 578 de dégâts. Bah, tu me diras, on les avait vus les stats déjà tout à l'heure. Et niveau attaque, c'est qui l'hydre? Il est pas à nous? Ça ferait un bon cobaye, ça. Remarque, il est dans l'eau, je peux pas y aller. Alors, en attaque, 4200. On clique gauche, clique droit. Ah! Des petits dimorphodons! Je peux en refaire pop ou pas? Non, pas pour l'instant. Ils sont à quel level? 300? Oh là là, tous les dimos autour. Ah, mais si, ça repop, regarde! Non? Ah non, ils sont groupés dessus? Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont repop. Non, ils ont dû se stacker. Ah ouais, j'avoue, c'est un truc avec. De quoi, Shina? Question, c'est est-ce qu'ils ont un timer ou est-ce qu'ils sont considérés comme tame permanent quoi. Je sais pas, mais ils doivent être liés à lui. Quoi. Attends, y a pas un truc. Ah si, là-bas y a un truc à siffler. Ah, c'est galère à siffler avec en étant dessus. Hein. Ah, la première personne, je vois rien. Oh là là. Oui.
Ah ouais, la vitesse en courant. Là, faudrait siffler une mouette, vous pouvez? Je vais essayer, mais... Ah, j'ai réussi. Allez, les dimos! Ils y vont pas. Peut-être qu'ils sont vraiment en mode défensif, quoi. Il faut vraiment que je tape un truc ou que je me fasse attaquer, peut-être. Bon, le problème, c'est que si je one-shot le truc, ça sert à rien, quoi. Mais si je refais un clic droit, là, pour les refaire pop... Non, ça en fait pas plus, hein. J'ai l'impression que ça reset le truc, en fait, plus qu'autre chose. Ok. Bon, ça, c'est bon à savoir. Le C, du coup. Ça, c'est le hurlement qui stun pendant un certain laps de temps et qui décèle également. Mais il stunnait aussi les dinos hein, quand il nous le faisait. X. C'est pour les arbres. Voilà. Et du coup, contrôle. Ah, mince, oui, c'est l'attaque. Ouais. Attends. Ouais, c'est pour écracher les plantes. Ouais, les branches plutôt, je pense, les racines. Branches, ouais. Les genres de racines, je pense, ouais. Ça serait bien que je touche un truc avec ça. Je suis bon ou pas du tout? Je t'entends très très mal, hein, par contre, China. Je t'entends quasiment pas. Je vais essayer le contrôle là-bas, mais. Ah, c'est compliqué de viser avec ça. Ouais. Touche une fois juste, je veux voir les dégâts. En tout cas, je peux le spammer, hein. Ça me prend pas trop de stam, ça. C'est vraiment quand je vole que j'ai plus de stam. Ça me tape dans les arbres là. Ouais. Ah oh, le dodo. Ah non, c'est Drake. J'y ai cru. Oh là là, c'est horrible hein. C'est très compliqué. Bon, en même temps, il y a tout qui est devant moi aussi, donc c'est assez dur hein. Allez. Ça tape dans le rocher là, je crois. Mais pourquoi? Je suis juste là-dessus. Allez, là. J'ai jamais du rocher, ça. Bon, en fait, faudrait que j'aille de l'autre côté carrément, je pense. Ah, mais on a les arbres en fait, c'est pareil. J'ai l'impression que les timbres foudrons m'empêchent de. Ah non, c'est bon. J'allais dire, ils m'empêchent de me poser, mais c'est bon. Non, parce qu'en vrai, lui, c'est parfait, hein. C'est la cible idéale pour mon sort, mais c'est compliqué. Et voyons voir s'il a un haut du coup. Il a pas de haut. En vrai, il a déjà pas mal de trucs. C'est compliqué de tourner avec lui par contre. Je vais pas vous mentir. Je crois que je vais laisser Mino essayer de viser. Il est meilleur que moi pour ça. C'est bien. Allez. Là, mais ça lui passe au-dessus. Ah, il y a les arbres devant, c'est toujours pareil en fait. Hein. Non, en revenant, ouais, ça fait pas dégâts. On va casser les arbres en fait en gros et ensuite je pourrais. On va y arriver. Regarde, il en reste plein devant. En fait faudrait vraiment que je lui tombe dessus, que je le vise lui et que ça lui tombe dessus, mais c'est random, donc j'essaie vraiment de le faire sur le départ. Hein. Ça fait pas de dégâts hein. Ça fait pas de dégâts en fait ça ou quoi? Je sais pas, là il n'a pas eu. Peut-être qu'il faut vraiment que ça lui tombe dessus, du coup j'aurais dû reculer. Par contre on voit vraiment plus rien là. Mais attends, je vais essayer comme ça. Trop loin. Ah ouais, non, mais c'est compliqué de dingue. Hein. Non, c'est pas une attaque que tu vas trop utiliser quoi. Les invocations c'est méga bien. Son clic gauche il met déjà du 4000 de dégâts, donc tu vas faire que ça. C'est vraiment puissant, mais après en dehors de ça... Ah si, 250, oui en fait c'est nul en plus. Comparé à ce que tu mets en clic gauche, c'est nul. Oui. Vas-y, si tu veux t'amuser un peu avec. Je vais voir d'en bas ce que ça donne. Oui, oui, oui. Enfin, je vais pas voir grand chose, mais. Non, on voit pas grand chose, ouais. Les yeux rouges, je vois les yeux rouges en tout cas. Les yeux rouges qui font badass. C'est déjà bien, hein. Ah, lui aussi, j'avais même pas remarqué, lui aussi il a un implant sur la patte gauche, comme le Drake. Je pense que les autres en ont aussi, mais que j'ai pas fait attention. Sur la patte avant gauche, ouais. Rien du tout, quoi. Ouais, essaye de courir vite fait pour voir. La vitesse que t'as là par rapport à moi à pied. Enfin, après, tu te bloques aussi, donc c'est. Ouais, ce qui est quand même bien rapide. Hein.
Parce que même le Drake qui est très rapide, je vois que derrière, hein, il le suit normal, mais... Ah, mais je suis resté bloqué. Mais ouais. Première vue, ouais, il court à peu près à la même vitesse que le Drake. Ouais, c'est ça, et le Drake, il est vraiment très très rapide. Hein. Ah, par contre, moi je peux pas monter là. What? T'as vraiment réussi à monter ça, je me sens tellement petit là. Ouais, mais il s'est envolé automatiquement, il a réatterri automatiquement. Monte sur le Drake. Ouais, j'ai si vois. Ah ouais, je me... Ah, tiens, vas-y, je m'allonge dessus. Ah bah je t'avais laissé conduire. Oh, wow, vas-y, hein, t'inquiète. Amuse-toi. Attends, je t'ai bloqué. Vas-y, tire. Je sais pas où il est parti en fait. À droite, là. À qui j'ai fait des dégâts? Ah, mort m'attaque, c'est quoi le truc pour invoquer déjà? T'as clic droit et C. Ou X. C, c'est... Ouais, non. Non, t'as clic droit et C, je crois. Clic droit, c'est les Dimo. Et C, c'est pour les arbres. Je me fais attaquer là, du coup ça va aller dessus. Ah oui. Aïe aïe aïe. Tous les 10 mots quoi. C'est beaucoup plus kiffant quand ils sont avec toi que quand tu les as en face qui sont relous. Oui. Parce que ça c'est vraiment relou. Hein. Faut pas crier là. T'as là, il y a tout un groupe de terror bird si tu veux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le cri aussi. Oh là là. Hein, si tu veux tester le cri, t'as un groupe de Terror Bird de Centaur juste devant moi, sur le Drake. Est-ce qu'Adora et Smoke aussi ont un plan sur le Drake? Il fait quand même des dégâts aussi. Hein. Il est vénère. Hein. Oh là là.